Elle est beaucoup trop courte. À l'arrière, je vous assure, je ne peux rien faire à l'arrière. C'est-à-dire que si je fais tomber mon portefeuille dans la rue, je peux pas le ramasser. Il va falloir faire un choix. T'imagines, je me baisse pour ramasser le portefeuille. Et non, je préfère laisser le portefeuille par terre. Parce que là, c'est chaud, tu vois. I'm feeling so bougie, you guys. C'est du jus de raisin. Personne n'est passé, personne n'a appelé et personne n'a laissé de bon passage. Comment je fais pour savoir que tu es passé? Et je me vois pas sortir avec cette robe, genre marcher comme ça, avec la fente qui est comme ça et tout, mes cuisses sont dans la nature comme ça, non! Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo haul. Donc, j'ai décidé de tester le site Boohoo parce que j'en ai entendu parler un peu partout sur YouTube, sur Instagram aussi. Voilà. Donc, je devais m'acheter des vêtements pour, vous savez, la Saint-Valentin, histoire d'avoir des robes et tout. Vous voyez de quoi je parle? Et je me suis dit, pourquoi ne pas acheter mes robes sur le site Boohoo? Donc, aujourd'hui, ça va être un petit haul, d'accord? Petit parce que j'ai pas acheté beaucoup de choses. C'était les soldes, il y avait moins 50% sur tout le site, donc c'était vraiment moins 50%. Sachant que moi, je n'ai pas fait de haul, sachant que moi, je n'ai pas fait de lookbook... possible. Sachant que moi je n'ai pas fait les soldes cette année parce que j'avais pas de réel besoin. J'ai fait la Black Friday. Avant ça j'avais acheté des vêtements pour la rentrée, pour les cours, donc j'avais pas vraiment besoin de faire les soldes, de dépenser mon argent encore une fois. Donc j'ai pas vraiment fait les soldes, j'ai juste profité d'acheter quelques robes parce que moi je suis une femme à robes, vous savez, des robes c'est mon truc quoi. Donc j'étais obligée d'acheter des robes et je me suis dit que ben on va faire une petite vidéo haul, mais aussi quelle robe idéale pour la Saint-Valentin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Le site en fait, il est bien fait. Je trouve qu'il y a beaucoup de choix sur le site. Il y a souvent plusieurs couleurs, vous savez, un article en plusieurs couleurs. Donc ça, je trouve ça cool. La livraison. Vous savez que moi, avec la livraison, je suis intransigeante, d'accord? Parce que j'ai payé la livraison 5 à 6 euros, on va dire. Normalement, je devais recevoir ma livraison vendredi dernier. Donc vendredi, vous savez, j'étais en cours, mais j'étais quand même au taquet. J'étais en train de surveiller ma commande. Quand je suis rentrée des cours, dans l'après-midi, j'ai rechecké ma boîte aux lettres. Aucun bon de passage. Comme d'habitude. Dans l'après-midi, vers 17h, j'ai reçu un mail, mais je n'ai pas vu en fait ce mail-là. J'ai consulté mes mails le samedi matin. Ils me disent, oui, alors on est passé, mais on vous a pas vu. Il n'y a pas de bon de passage en fait. Comment je peux savoir si tu es passé, si tu ne m'as pas appelé? Il y avait mon numéro de téléphone, tu ne m'as pas appelé. Et tu n'as pas laissé de bon de passage. Comment je fais pour savoir que tu es passé? Bref, donc on va revenir demain. Personne n'est passé, personne n'a appelé et personne n'a laissé de bon passage. Donc je suis allée à la poste et avant que la poste ne ferme, et je leur ai dit, est-ce que je peux récupérer le colis en fait? Ils me disent, non, c'est pas nous qui l'avons, c'est le livreur, donc il faudra venir le récupérer lundi matin. Lundi matin, je me présente à la poste et je leur dis, est-ce que je peux récupérer le colis? Non, mais on l'a toujours pas, il faudra attendre lundi à partir de 14h. En fait, ça m'énerve cette histoire de livraison parce que c'est pas vraiment en lien avec Boohoo, mais quelque part c'est en lien avec Boohoo parce que c'est sur le site de Boohoo que j'ai quand même payé 5 euros la livraison. Si je voulais sortir par exemple samedi après-midi et que je voulais porter ma robe samedi après-midi, j'attendais initialement la livraison pour le vendredi. Donc déjà, si vous voulez commander sur le site pour la Saint-Valentin, commandez dès maintenant pour ne pas avoir de surprise le jour J. Tu attends ta robe et finalement tu n'as pas ta robe. Donc je sais pas si c'est Colissimo, si c'est la poste ou quoi, mais franchement c'est dommage parce que enfin c'est quand même 5 euros quoi. Donc voilà pour le paquet que j'ai reçu, un Boohoo comme d'habitude. Et comme j'ai pas commandé beaucoup de choses, ben c'est dans un petit sac comme ça. Déjà dites-moi laquelle des robes que j'ai choisi vous préférez. Comme ça peut-être que je vais faire un look avec la robe que vous préférez. Maquillage, une tenue complète. Donc dites-moi ça en commentaire. Alors, la première robe, c'est une robe un peu velvet comme ça là. Elle fait un peu, elle fait classe, hein. Enfin, je trouve, non tu trouves pas? Avec des boutons, c'est le genre de robe qui va me tenir chaud, hein, j'ai l'impression, puisque la matière la tient chaud. Avec des boutons argentés,
super beau. J'ai pris ça en taille 12, en taille 40. Et ça, c'est la taille, la collection Tall, vous savez, c'est pour les collections grande taille. Donc je me suis incrustée dans la collection Tall. Par contre, je m'attendais pas à un décolleté. Donc on verra si un décolleté, autrement je mettrai un petit bandeau. Donc voilà la robe. Alors cette robe, je la trouve vraiment super belle. Je pense que ça se voit, j'aime bien et tout. Elle est épaisse. Là j'ai déjà chaud, après il y a mes éclairages. La taille 40 c'est vraiment la taille parfaite. Elle épouse vraiment bien mon corps. Elle met en valeur ma morphologie. J'aime vraiment beaucoup. Et puis elle est pas trop courte. Je vous dis, c'est le genre de robe que je peux porter voilà, sans avoir peur d'être vulgaire. C'est la couleur préférée de ma grand-mère. Donc voilà, je kiffe en fait encore plus cette robe. Alors plus bas, voilà ce que donne la robe. Moi j'aime beaucoup. Elle épouse bien mon corps, d'accord? Elle épouse bien ma morphologie. Et vous savez que moi j'ai des formes, j'aime bien que les robes mettent en valeur ma morphologie. Donc voilà. La robe, elle n'est pas trop courte, comme je vous le dis. Elle arrive juste là, donc elle n'est pas trop courte. Et de ce côté-là, comme c'est une robe portefeuille, ça donne cette illusion d'optique qui vous donne l'impression que la robe, elle est longue en fait. Elle n'est pas trop courte, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, à l'arrière, ben, comme je vous l'ai dit, ça épouse bien ma morphologie, d'accord. J'ai pas ce problème de vêtements trop larges à ce niveau-là, donc ça c'est parfait pour moi. Franchement, si ça fait ça pour tous les vêtements, je pense que je vais commander plus souvent sur Boohoo. Hein. La matière, elle tient super chaud et comme vous voyez, il n'y a pas de décolleté. Donc pour moi, c'est super en fait qu'il n'y ait pas de décolleté. Ensuite, alors ça, je sais exactement ce que c'est. Tu vois, quand tu commandes pas beaucoup de choses, tu te rappelles de ce que tu as commandé. C'est bien ça. Ouh, la matière est épaisse. La matière est grave épaisse, les gars. Oh, y a des épaulettes. Pareil, hyper classe. Je trouve qu'elle fait super classe. Et c'est, vous savez, c'est les robes en portefeuille là, avec des boutons dorés. Oh, par contre, j'ai l'impression qu'elle va être courte. En taille 10. C'est bizarre ça. Hein. Taille 10, apparemment, c'est du 38. Mais il me semble que j'avais pris du 40. Donc ça c'est un peu dérangeant. Donc voilà les filles, la robe rouge, je suis dégoûtée. Elle est trop courte. Elle est beaucoup trop courte. Mais c'est trop court en fait. Moi je peux pas. En plus c'est une robe portefeuille. Mais en fait le truc, je vais pas vous montrer. Je peux pas vous montrer. Donc il y a un côté qui est déjà plus court que l'autre, d'accord. Il y a un côté qui est plus long que l'autre, qui est en mode portefeuille. Et en plus de ça, ils ont rajouté genre une fente. Donc le truc en fait est tellement court et il y a une fente entre les deux. Non mais je vais où comme ça en fait? Je peux pas sortir comme ça. Et à l'arrière les filles, quand je vous dis que c'est encore plus court à l'arrière. Donc par contre, voilà quoi. Enfin, je suis à l'aise dedans, je peux bouger, les boutons ils ont pas sauté. Au niveau des manches, c'est trop court. Donc ça c'est un truc, je peux pas non plus. Ça fait genre j'ai pris les vêtements de ma petite soeur, même si j'en ai pas, et que j'ai mis ces vêtements, c'est pas possible. Donc voilà, même avec des leggings, vous connaissez ma technique, hein. Quand une robe elle est trop courte, quand une jupe elle est trop courte, on met des leggings pour atténuer cet aspect court que la jupe est là, tu vois. Mais là c'est pas possible parce que c'est une robe portefeuille, c'est presque un tailleur robe en fait. Et pour moi, t'es pas censé même porter avec des collants. T'es censé le porter avec des escarpins bien haut là et tout, sans collants. Tu vois? Je suis dégoûtée parce que c'était mes articles préférés en fait. Donc, je suis dégoûtée. Ensuite, alors ça, c'est une robe portefeuille aussi. Et en quelle taille j'ai pris ça? J'ai pris ça en taille... Normalement j'ai pris ça en taille 40. Ouais, taille 40. Une petite robe portefeuille. Encore une fois, il y a un décolleté. Et je m'attendais pas à ce qu'il y ait un décolleté. Je sais pas pourquoi, mais toutes les robes que j'ai prises, je m'attendais pas à ce qu'il y ait des décolletés. Et si vous êtes comme moi et que vous aimez pas trop les décolletés, je pense que vous pouvez tout de même rajouter un petit bandeau. Là, moi, c'est ce que je fais dès que j'ai des décolletés. J'ai des bandeaux en plusieurs couleurs, blanc, gris, noir. Parce que j'ai pas envie d'avoir les seins qui sont là, pouf, dans la nature comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un seul bouton. Et le bouton, il est doré comme ça. Et j'aime bien le bouton parce que le bouton n'est pas... Enfin, ça fait pas un vrai bouton doré comme la robe qu'on a vue juste avant. Mais ça fait quand même un bouton doré. Et ça fait pas un bouton doré fake. Genre le bouton jaune, là. Vous voyez de quoi je parle? Donc, ouais. Par contre, on dirait qu'elle est courte, hein, la robe.
Bon les filles, voilà la robe. Alors finalement je vais pas pouvoir porter cette robe pour aller à l'église, d'accord, parce qu'elle est trop courte. Et je pense que même sur le mannequin elle est peut-être courte. Tu sais, quand tu es sur internet et que tu fais ta commande, tu sais que ça va pas être bien pour toi, tu sais que ça va être court, mais tu dis non mais sur un malentendu ça peut passer, tu vois. Bref, bon je vais pas vous montrer en bas, d'accord, vous savez c'est une robe courte, d'accord. Elle est courte mais je peux quand même la porter. Pourquoi? Parce que c'est une robe que je peux mettre avec des leggings et des bottines. Personne ne saura que c'est des leggings si je porte des bottines avec. Et puis j'aime bien les manches qui sont un peu évasées comme ça. Enfin la dernière robe, c'est tout simplement la même robe rouge en fait que j'ai pris en violet. C'est trop beau les filles, c'est trop trop beau. Et en quelle taille? En taille 38 encore. C'est nul. Elle fait super classe, ça fait super classe. Ah, oh, j'adore. Donc elle a des épaulettes, hein, exactement comme la même robe que tout à l'heure. Et c'est vraiment un violet ténébreux, c'est genre. En plus c'est le genre de couleur, enfin les couleurs en général ça me va bien au teint, tu vois. Et en hiver ben tu peux pas tout le temps porter des couleurs. Donc là avoir un violet comme ça ténébreux, c'est genre je mets de la couleur mais on est toujours en hiver, tu vois. Et puis ça va me tenir chaud. Elle est courte, hein. Je suis dégoûtée. Ben sinon la couleur je la trouve pas mal, la texture est vraiment pas mal. Il y a un décolleté, donc comme je vous ai dit j'ai mis mon débardeur en bas, d'accord, parce que ici sur ma chaîne vous avez compris ce que je veux dire. J'ai vérifié sur la commande, il se trouve que j'ai bien commandé une taille 40. En taille 40 cette robe elle est parfaite en fait, et je me vois pas sortir avec cette robe, genre marcher comme ça avec la fente qui est comme ça et tout, mes cuisses sont dans la nature comme ça, non. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelle robe je dois choisir pour la Saint-Valentin en barre, en commentaire. Abonnez-vous si vous me découvrez avec cette vidéo là, c'est juste là, d'accord. Et pendant que vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, c'est très important, mais souvent j'oublie. Ça vous permet d'être informé à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, donc n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Même si vous êtes déjà abonné, activez la petite cloche, d'accord, comme ça vous êtes informé à chaque fois que je poste une vidéo. Et vous voyez que j'essaie d'être un peu plus régulière sur YouTube en ce moment, donc voilà. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, d'accord, il y a Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, tous les liens de mes réseaux sociaux sont en barre d'informations, donc rejoignez-moi là-bas. Et puis qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? En attendant, croyez en vos rêves, aimez-vous, moi je vous aime et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!